Olivier Messiaen est entré irrésistiblement dans la musique dès sa petite enfance et il ne l'a plus quittée. Depuis 50 ans, tout va ainsi de pair dans la vie de celui qui est le phare de la musique française. La composition, bien entendu, l'enseignement au Conservatoire de Paris et cet orgue de l'église de la Trinité qu'il tient depuis 1931 pour les messes du dimanche. Au départ, vous savez, je n'étais pas spécialement professeur. J'ai fait ça pour gagner ma vie, tout simplement. Que des harmonies tonales. On m'a nommé professeur d'harmonie. Ça a été mon premier poste ici. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que j'ai eu quelques-uns de mes élèves les plus glorieux. Pierre Boulez, par exemple, a eu dans ma classe un premier prix d'harmonie. Je crois que c'est évident, je vous le rejoue. Ensuite, justement, toujours à cause de la façon dont je faisais la classe, parce que je n'y faisais pas que des devoirs d'harmonie, je faisais des analyses. On a eu l'idée de me nommer professeur d'analyse et on a créé pour moi une classe qui n'existait pas avant, une chose tout à fait nouvelle, qui était une classe d'analyse musicale, que j'ai d'ailleurs transformée en analyse plus que musicale, en analyse rythmique. Alors vous avez, il ne l'a pas fait exprès, mais déjà je suis très fier qu'il ne l'ait pas fait exprès. Première fois, la gamme partant, deuxième fois le mode 2, troisième fois la gamme partant, quatrième fois... Et puis, un beau jour, on a trouvé que c'était encore pas assez et on m'a appelé professeur de composition. Alors maintenant, je regarde les œuvres des élèves, mais je continue à faire ce que je faisais avant. À la vérité, je n'ai jamais changé de couleur, j'ai toujours été le même, j'ai toujours fait des analyses, j'ai toujours aimé la musique. Et j'aime les élèves qui sont musiciens. Voilà, pour les gens qui ont peur de la mélodie, voilà une jolie mélodie. Je pense que ni Berlioz, ni Debussy, ni moi, ni Boulez ne sommes vraiment français. Enfin, dans le sens où on entend ce mot, parce que quand on dit musique française, on pense tout de suite à quelque chose de cartésien, qui est clair, qui est ordonné, qui va tout droit et qui est sans histoire. Eh bien, tous les noms que nous venons de prononcer, ce sont des gens ou bien influencés par l'Allemagne, ou bien, et c'est mon cas, et c'est un petit peu suite Boulez dans un certain sens, influencés par l'Orient. Thank you.
je vis dans la musique, je pense en musique, donc je fais de la composition tout le temps. Je peux composer aussi bien en marchant, dans le métro, dans la campagne, dans la forêt, chez moi, dans mon lit, n'importe où. Mais en fait, je suis tout le temps dérangé et je compose spécialement, alors vraiment à ma table de travail avec mon papier à musique, en été. Ce qui m'a surtout changé, je crois, c'est la fréquentation des oiseaux. Le fait d'avoir fait de l'ornithologie, ça m'a d'abord forcé à connaître mon pays, donc la mer, la montagne, les forêts. La notation des chants d'oiseaux m'a énormément instruit. J'ai appris des quantités de choses, j'ai appris la confirmation de ce que je savais déjà, et puis d'autres choses encore qui ne sont pas dans les livres. Je ne serais pas le même si j'étais pas chrétien. Vous avez entendu quelques-unes de mes œuvres. Ben, je crois qu'on peut les critiquer, on peut toujours critiquer quelque chose. Mais mes œuvres contiennent, je crois, une certaine joie, un certain espoir, une certaine foi que je n'aurais pas si je n'étais pas croyant.